Bonjour chers amis, ce soir dans les groupes, nous lisons le chapitre 21 de l'Apocalypse, ou Révélation selon Jean, avant-dernier chapitre de l'Apocalypse et aussi avant-dernier chapitre de la Bible. Alors, pour un découpage possible de ce chapitre, je vous propose ceci, versets 1 à 5, tout est nouveau, versets 6 à 8, un être central et deux destinées, et verset 9 à la fin, la ville sainte, ou encore, vive la mariée. Puisque pour l'essentiel, ce chapitre nous présente une description de la mariée de Jésus-Christ, l'Église. Alors versets 1 à 5, tout est nouveau. Tout est définitivement nouveau. C'est-à-dire le neuf ne coexiste pas avec l'ancien, comme nous vivons aujourd'hui, mais l'ancien a totalement disparu, est définitivement disparu, et le nouveau est là, partout et pour toujours. Alors c'est une belle perspective, cela peut nous réjouir de voir que beaucoup des choses que nous vivons actuellement sont éphémères, passagères et auront disparu et tout sera transformé et renouvelé. Alors sur quoi porte ce renouvellement? Je le disais, sur le ciel, la terre, la mer, des éléments physiques, matériels, mais pas seulement. C'est aussi sur des aspects liés à nos émotions, à nos sentiments, des choses liées à l'âme et au corps, notamment lorsqu'on lit verset 4, les larmes, le deuil, les cris, la souffrance ont disparu. Ce sont des choses liées au péché qui sont la conséquence du péché. Et tout cela est définitivement effacé. Il n'y a plus de traces. Et aussi, c'est un renouveau spirituel. Verset 4, la mort n'existera plus. Verset 27, rien d'impur ne peut rentrer. Et d'autres versets encore qui nous montrent cette transformation qui est totale, absolument total, qui porte vraiment sur tout. D'ailleurs, le verset 5 résume l'ensemble en disant, et c'est Dieu qui parle, qui dit « Je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Et ça, c'est vraiment la marque de l'action de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et nous le vivons déjà, nous en avons les prémices dans le domaine spirituel, dans ce que Dieu fait dans notre cœur, par la nouvelle naissance, par la sanctification. Dieu agit ainsi, en mettant dans le passé et en oubliant pour toujours un certain nombre de choses, nos péchés. Dieu ne s'en souvient plus, ils sont effacés à jamais. Plusieurs textes l'affirment, des promesses de Dieu l'affirment aussi, comme il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Beaucoup de textes nous parlent de cette transformation radicale que Dieu fait en nous. Je cite notamment dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Vous voyez, donc c'est un processus qui est déjà à l'œuvre dans notre cœur, dans notre vie. C'est vraiment l'action de Dieu. Et là, c'est mené à la plénitude dans ce que nous lisons dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Un autre point sur lequel je souhaite attirer l'attention et qui peut faire matière à partager, à méditer ensemble en groupe, c'est cette image qui est proposée de la jeune mariée qui attend son mari. Cette image-là, elle est assez fréquente dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, avec les prophètes, s'agissant du peuple de Dieu, qui utilisent cette image. Les textes du Nouveau Testament, des lettres de Paul, Éphésiens en particulier, nous montrent l'analogie entre le mari et la femme, et Christ et l'Église. Et ce texte, bien sûr, dans l'essentiel, l'objet, c'est ça, c'est de montrer cette analogie entre la jeune mariée et le mari, et Christ et son Église. Alors, en quoi cela nous inspire? Pratiquement, qu'est-ce que cela implique, à la fois pour notre vie de foi personnelle, mais aussi dans notre vie communautaire, notre vie d'Église locale? Qu'est-ce que cela nous inspire d'avoir conscience que nous sommes la mariée de Jésus-Christ, en train de nous préparer pour être belle, pour lui faire plaisir, pour qu'il soit ravi, qu'il soit émerveillé, que cela l'honore, lui. Et voilà en quoi cette image-là nous aide, nous oriente voilà, aussi dans nos choix, dans nos finalités, dans ce qui nous anime, pour rechercher l'honneur de Jésus-Christ, son plaisir à lui, de la même manière que la mariée se fait belle, pour faire plaisir, pour ravir son mari. Un troisième point que je pose sous forme de question, est-ce que nous allons habiter chez Dieu ou est-ce que Dieu vient habiter chez nous?
En effet, on pourrait s'attendre, lorsqu'on lit la fin de la Bible, les derniers textes, les dernières pages, on pourrait s'attendre à voir une description du lieu de Dieu, là où il demeure, là où il va nous accueillir, où il va accueillir ses enfants pour passer l'éternité avec lui. D'autres textes de la Bible nous parlent en ces termes, que Dieu nous prépare une place. Oui, on va aller vivre chez Dieu avec lui. Mais en même temps, le texte que nous avons là ce soir, dans ce chapitre 21, c'est plutôt le lieu qui nous est décrit, c'est les êtres humains, l'Église, chez lesquels Dieu vient habiter. Verset 3 notamment nous dit ceci, la voix forte qui vient du siège royal dit « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux, ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. » En quelque sorte, c'est un nouveau Noël, c'est à nouveau le Emmanuel, Dieu avec nous. Il vient habiter avec nous. Alors la différence de Noël que nous connaissons et célébrons, c'est ça ne se passe pas dans l'ancienne Bethléem et sur l'ancienne terre si peu accueillante pour le Messie. Là, ça se passe dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle ville, nouveaux cieux, nouvelle terre. Tout est nouveau. Et là aussi, on peut réfléchir et méditer en groupe sur en quoi cela nous parle de Dieu, qu'est-ce que cela nous montre des intentions du cœur de Dieu d'avoir pour projet de venir passer l'éternité avec nous. Alors ça n'empêche pas qu'on habite chez lui, qu'il habite chez nous, c'est un mariage, on habite ensemble dans le même lieu, mais le texte est orienté de cette manière-là et c'est intéressant de le relever et d'apprendre des choses de Dieu. Versets 6 à 8, un être central et de là deux destinées pour les humains. Un être central, c'est le Fils de Dieu qui nous est présenté avec des attributs particuliers. Il est présenté comme le premier et le dernier, le commencement, la fin, et le texte insiste là-dessus en le déclinant de différentes manières, en prenant aussi la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. En quoi cela nous parle, nous inspire, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est cela, qu'il est l'origine de tout, qu'il est la fin, la finalité, l'aboutissement de tout, qu'il a le dernier mot, que personne ne parle après lui, que personne ne lui succède. Il est le premier et le dernier. Qu'est-ce que cela nous amène à, dans notre foi personnelle, nous encourage, qu'est-ce que cela implique de croire et de voir Christ ainsi décrit. De là, deux destinées, hein, il y a celui qui a soif, le vainqueur, et cela conduit à la vie, et il y a ceux qui, et cela conduit à la mort. Je ne développe pas, mais il y a matière aussi à partager là-dessus. Et enfin, versets 9 à 27, la ville sainte. Sa ville, la ville et ses habitants, sa muraille, versets 12 à 21, et versets 22 à la fin, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Alors Jean, il a été au spectacle, hein, il a été transporté sur une montagne, tout en haut d'une montagne très haute, nous dit le texte, et de là, de cet observatoire, il a eu cette vision extraordinaire d'une ville resplendissante, lumineuse, glorieuse, qui vient de Dieu, qui vient du ciel et qui descend. Et on a cette description. Et la description, elle est longue, elle est détaillée. Et je laisse dans chaque groupe observer, relever tout ce qui vous impressionne, tout ce qui vous parle dans cette description. Les matériaux, les couleurs, l'agencement de toutes ces choses. Tout cela qui nous parle du soin mis par Dieu dans cet édifice, dans cette construction. Tout est choisi minutieusement, est à sa place, a un nom, et de qualité et d'excellence. Voilà, il y a matière à s'émerveiller de l'ouvrage, de l'édifice, et matière à s'émerveiller de l'auteur de cet ouvrage. Parce que lorsqu'on observe et on s'émerveille d'un bâtiment, d'un édifice, quel qu'il soit, cathédrale, château, tour, ou que sais-je, à la fois on s'émerveille de l'ouvrage et en même temps, naturellement, on s'émerveille des auteurs, architectes, concepteurs, artisans, artistes en tout genre, qui ont réalisé une telle merveille. Et bien là, ce texte nous invite à nous émerveiller de l'auteur, Dieu. Quel artiste est Dieu? Qu'est-ce que ce texte nous montre, nous apprend sur qui est Dieu? Quelles sont ses qualités, ses attributs, ses capacités? Qui est Dieu? Voilà, donc c'est un texte qui nous amène à considérer Dieu, à nous émerveiller de lui et à le louer. C'est un texte qui peut nous inviter vraiment à la louange de l'auteur d'une telle splendeur.
Alors cette splendeur, finalement, c'est la mariée, c'est nous, c'est l'Église de Jésus-Christ que nous composons. Le texte que nous lisons, c'est le résultat final, c'est l'aboutissement de l'action de Dieu en nous. Et ce que nous vivons actuellement, c'est le processus. C'est l'Église en train d'être formée, transformée par Dieu, par son action en chacun de nous. Cela nous parle, puisque ça renouvelle à la fois notre vision, notre foi, de considérer que notre frère, notre sœur, chacun de nous, soi-même, nous sommes des pierres précieuses, des éléments purs, en formation certes, mais avec cette perspective-là d'être des pierres précieuses choisies par Dieu pour un édifice glorieux, saint, magnifique, exceptionnel. C'est cela qui est en train de se passer. Alors, pour une description du processus, on peut lire utilement dans Éphésiens 5, chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Voilà le projet de Dieu, voilà ce qu'il est en train de faire. Et j'ai envie de dire que Dieu, il a la foi quand même. Quelque part, il a la foi. Quand on voit la description du résultat auquel il veut arriver, voilà ce que Dieu veut obtenir avec le matériau que nous sommes, je me dis, waouh, il a la foi. Mais oui, Dieu est le Tout-Puissant, il peut le faire et il va le faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et la grâce est là. La grâce de Dieu est à l'œuvre. Et c'est la grâce qui nous transforme, qui transforme des personnes abîmées par le péché, des personnes impures en des personnes pures, saintes. Et déjà, il nous le dit, vous êtes saints. Nous sommes appelés saints. En matière de justice, la grâce est faite. Tout est payé, tout est réglé. Jésus-Christ a tout payé, son sang a coulé. Il n'y a plus aucun péché que Dieu voit en nous. Lorsque nous sommes couverts par la grâce. Et tout le reste est sur le même processus de purification et de sanctification. Alors, nous sommes invités par ce texte à y croire, à croire que Dieu est en train de faire cela, qu'il va le réussir, et que nous y contribuons en laissant Dieu agir en nous, dans notre cœur, en le laissant faire tout nouveau, tout est nouveau dans notre vie, dans l'Église. Eh bien, cela se réalise. Cette promesse, ce projet de Dieu est en train de se faire. Alors, c'est aussi un objet de prière ensemble, en groupe, de prier ensemble pour que nous soyons ouverts à l'action de l'Esprit-Saint, à l'action de Dieu, à la purification, à la sanctification, et que ce désir de lui plaire soit quelque chose de constant, d'actif en nous pour aller vers cette rencontre, pour rencontrer le mari de l'Église, pour rencontrer Jésus ensemble, en communauté. Voilà, que Dieu vous bénisse dans les groupes, que Dieu bénisse chacun, que Dieu nous bénisse ensemble.